Bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'il y a du son ici Parce que moi, je ne sais pas s'il y a du son. Hop, je regarde ça en même temps, des petits contrôles de partout. Est-ce que vous m'entendez Ouais. Je vais écouter là, parce qu'en plus, je me regarde là. Ah ouais, je m'entends. Bon, bah, super, ça, ça marche bien. Ça, je mets ça comme ça. Euh, Est-ce que j'en ai besoin Non, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, ça va être le premier live de cette... heure pas de, de la nouvelle saison, mais du, du, nouveau, du nouveau lieu. Alors, Jacqueline est là. Salut Jacqueline. Raphaël aussi. Enchanté Raphaël. Pouchin, je crois qu'on ne se connaît pas. J'ai l'impression. Bon, Mario, bah, toujours fidèle au poste. Hein. Mario, Mario, toujours au taquet Était les mêmes là 10 minutes avant. Donc, Jacqueline, salut Jacqueline. Oui, on t'entend, ok. Raphaël, d'accord. David, salut. Stéphane Mortier aussi, 5 sur 5. Et puis, alors, c'est diffusé en même temps, j'ai fait un, un test technique ce soir, c'est diffusé en même temps partout dans le monde. Euh, non, je plaisante, sur YouTube, sur Facebook et même sur Insta. J'ai trouvé un petit truc pour faire en même temps sur Insta. Et bien avec ça. Alors par contre, sur Instagram, ceux qui regardent, je vous le dis tout de suite, euh, ça m'étonnerait que vous ayez tout en plein écran. Je vois bien que là, c'est croppé comme ça. Donc, le mieux, c'est d'aller euh, dans la bio et vous cliquez sur le lien. Vous accédez directement à la version euh, grand écran. Donc, ce sera, ce sera nettement mieux. Alors, de quoi on va parler ce soir Eh bien, ce soir, on va parler euh, d'intelligence artificielle. Et puis, euh, le titre, c'était euh, Intelligence artificielle. Est-ce que ça met euh, la photographie en danger, en tout cas notre métier de photographe ben, C'est la question qu'on qu peut se poser, euh, parce que justement, c'est vraiment un nouvel outil qui arrive. Et puis on, en discutant l'autre fois, et, euh, et c'est venu en fait mon idée. Enfin, voilà, ma réflexion est venue euh, lorsqu'on... avec. Euh, <coughs> ah excusez-moi. <coughs> Je vais tousser un petit peu comme ça. Je m'excuse d'avance. Euh, oui, donc ça m'est arrivé l'autre fois, l'autre jour, lors de la, lors de la sortie. J'ai fait une sortie avec Sony, en fait, et pour tester du nouveau matériel. Donc, il y avait des gros objectifs, des boîtiers, dernière génération, etc. Et puis, en fait, moi, j'ai testé eh bien un, un bridge. Voilà. Donc, le plus petit modèle, on va dire, le moins élaboré, voire même le moins cher, je pense, de toute la gamme qu'il y avait, parce qu'il y avait même les A7C, etc., du plein format. Le seul APS-C qu'il y avait, c'était le A6007, mais qui était déjà une tuerie. Et puis, ben, moi, je me suis dit, tiens, comme tous les objectifs et les prix, en fait, c'est ça. C'était, On était dans un zoo. Voilà, je vous explique la situation. On était dans un zoo. Et puis, ben, forcément, dans un zoo, euh, si on veut isoler un petit peu les, les animaux, il ben, faut quand même du zoom. Tous les zooms étaient pris, donc il y avait du 600, il y avait du 200-400, je crois, ou 200, euh, bref, il y avait des fixes, des... que des gros bazars, ou sinon du grand angle, ou sinon du 35, du 50, du 85. Je me suis dit, avec ça, ça ne va, va pas être terrible, terrible. Je ne vais pas forcément y arriver. Donc ce qui restait, en gros, finalement, en, gros, en longue focale, eh c'était le bridge, qui fait l'équivalent d'un 24-600. Je me suis dit, bah, je vais tester avec ça. Voilà, donc c'est venu de là, et puis ben, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu, mais au niveau cadrage, j'ai été vraiment comblé, et au niveau focal, on va dire, j'ai été vraiment comblé, parce que ben, j'ai pu vraiment isoler les animaux, puis faire quelques, avoir quelques petits trucs sympas, mais par contre, en rentrant à la maison, ben, j'étais un petit peu déçu, parce que forcément, au niveau qualité, on n'y est pas du tout. Quoi. En plus, c'était une journée très grise, donc ça veut dire que, qui dit journée grise, dit monter en iso, voilà, pour avoir des vitesses suffisamment rapides, sachant que ce sont des des objectifs qui n'ouvrent pas énorme 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 donc euh, donc voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvé à la maison avec euh, un petit peu déçu en disant bon, c'est pas terrible, terrible quand même la qualité. <coughs> D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à, à sujet avec parce qu'il y avait Laurent euh, qui était avec moi aussi, Laurent euh, Piolo qui a, qui a lui a pris le la 74 euh, donc euh, boîtier euh, 33 millions de pixels euh, dernière génération, on va dire. Avec euh, un objectif de compète, genre à 12 000 ou 16 000 euros, je ne sais plus quel était le prix, mais il a pu essayer du 600 mm, etc. Et là, au niveau qualité, il n'y a pas photo. Donc, du coup, voilà, c'était parti de ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être regarder ce qui se fait. Et puis euh, et du coup euh, voilà j'ai euh, euh, je suis passé par l'intelligence artificielle bah, pour euh, pour être content de mes photos du coup parce que j'étais très déçu et je me suis dit finalement l'intelligence artificielle ça va amener quoi est-ce que ça va nous amener vraiment des choses nous en tant que photographe ou alors ça va combler un petit peu les, les feignants euh, qui, qui ont peur de, de s'avancer, et puis euh, qui vont euh, d'un coup de baguette magique euh, enlever des trucs, euh, voilà, des, parce qu'on peut tout faire justement. Je vais vous montrer quelques exemples. On peut tout faire avec l'intelligence artificielle. On peut effacer des trucs d'un coup de pinceau. On peut changer l'arrière-plan euh, d'un coup de baguette magique. Euh, voilà. Donc c'est un petit peu cette frontière-là. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça Donc c'était ma réflexion en introduction. Donc du coup, eh bien, <coughs> si tout le monde est là. Je vais regarder, je vais faire un petit point. Hop, ici, ici, d'accord. Si tout le monde est là, eh bien on va pouvoir commencer par, euh, on va dire, pas l'introduction, mais un petit peu, un petit peu, petit peu, petit peu tout le reste. Donc si vous avez des questions, vous allez voir, c'est même possible euh, d'intervenir en direct. Et je vais vous montrer tout ça. Allez On y va Intelligence artificielle est-ce que les photographes sont en danger Tantantin Donc au programme, au programme, au programme, eh bien on va commencer déjà par un petit jeu. Vous allez pouvoir jouer juste après à savoir quelles photos, ça peut être au singulier ou au pluriel, est issue, donc sont issues de l'intelligence artificielle. Vous avez quatre types de photos ici. Et euh, commencez déjà à regarder, à réfléchir, et puis on va jouer à ce petit jeu-là. Salut les Frédéric, on a du Frédéric Palanca, du Frédéric Guarin et de Patricia. Salut Patricia aussi. Donc, voilà, je vous laisse regarder. Est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui. des indices. Allez, je vous les montre en plus grand. La photo numéro 1, la photo numéro 2. Alors, tiens, je vais m'effacer un peu. Euh, non, parce que je ne sais pas s'il y a du son. La photo numéro 3. La photo. Non, pardon, la photo, je reviens. C'est laquelle la... Ah, je me suis trompé. 2, 3, 1. C'est la 2. C'est la 3. Et donc, ça, c'est la 4. Pardon, il y a une erreur ici. Donc, la 4 ici. A votre avis Affiché, ah ouais, plein écran, c'est comme ça qu'il faut faire. Et normalement, vous m'entendez. On va faire un essai. Quand je ne suis plus à l'écran, est-ce que vous m'entendez Je vais continuer à parler, d'accord Donc là, à 3, je vais m'enlever de l'écran et puis vous allez me dire si vous m'entendez, vous me faites 5 sur 5 ou un truc comme ça. Toc. Est-ce que vous m'entendez Si oui, dites-moi, inscrivez-moi le chiffre 23 dans les commentaires. Le chiffre 23 dans les commentaires, si vous m'entendez quand je fais ça. Oui, Philippe, ok, merci. Ok, super, comme ça, ça me permet de, de vous laisser en plein écran. 23, super, Philippe, ok, ça marche. Donc, je vous laisse pour l'instant réfléchir à laquelle est issue de... Je répète, hein, c'est laquelle ou lesquelles. Il hey, 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 y a peut-être des... Peut des pièges. Allez, au programme. La présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai l'impression que tout le monde me connaît. Est-ce que tout le monde me connaît ou pas Je ne sais pas. Allez, je fais toujours quand même la petite présentation, c'est important. Tiens, pourquoi c'est euh, cropé ça Eh bien, oui, Franck, je m'appelle Franck Boisselier, je suis photographe professionnel et en même temps, d'être professionnel. Eh bien, euh, en fait, voilà, j'ai décidé de passer le cap en 2015 moi, à me professionnaliser j'étais passionné de photos. Et puis je me suis dit, bah en même temps, je vais partager mon expérience. Voilà comment j'apprends, comment on évolue, comment on grandit. Et puis, donc, ça, c'est quelques portraits que je peux faire. Voilà, ça peut être aussi bien pour des pros, des particuliers. Euh, ça, c'est de la photo de produit. Voilà, que je trouve très sympa. Moi, j'aime bien le côté créatif, à chaque fois trouver des idées, comment mettre ça en scène, comment donner envie. Donc, grâce à la lumière, grâce au, à plein de choses. Photographie mobilier aussi, du coup. Et il faudra de spectacles aussi. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, bien sûr, et en plus, j'en profite. Si vous avez des besoins dans votre métier, dans, votre, dans vos entreprises, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ou même perso, parce que je fais des séances ici euh, euh, perso, et eh bien, vous pouvez me contacter, bien sûr. Et aussi, donc, de la formation pour les passionnés de photo, donc de l'accompagnement. Donc, à travers l'autre site Internet qui s'appelle, ici, vous l'avez en bas, formation comment devenir photograph.com, je ne vais pas trouver plus simple. Bon, J'aurais peut-être pu trouver plus simple. ok. Et euh, voilà, à travers, je, à travers lequel je partage, euh, ben, c'est pareil, des, des, des formations. Vous en avez une gratuite qui est ici, des articles de blog pour euh, un peu se poser des questions, puis avancer. Et puis aussi, tac, 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 ah ouais, ça c'est la formation photo de 45 minutes. C'est une vidéo de 45 minutes pour un petit peu mettre les bases, voilà mettre les, les fondations de... Euh, de, de, pour ne pas se tromper, voilà, pour avoir les fondamentaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Instagram et sur Facebook. Ça, je pense que vous le savez. Et on va parler un petit peu de l'actualité du moment. L'actualité du moment, bah, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, l'ouverture du studio, le studio là où je suis actuellement. Donc, ça change un petit peu de d'habitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, voilà, il y a de la tapisserie qui est un peu différente. Et puis, ben, c'est un lieu qui, euh, qui permet d'accueillir, euh, de, de faire d'accueillir du monde pour des séances euh, pro, des séances pour les particuliers, pour les familles, pour les couples, pour les amoureux, pour, pour les chiens aussi. Tiens, j'ai fait ça aussi. Je trouve ça rigolo, je trouve ça euh, sympa de pouvoir permettre d'avoir son, son animal chéri euh, en portrait. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez, pareil, vous avez les infos sur mon site, bien sûr, framboissier.com. Et donc, je fais une journée porte ouverte. Je, voilà, j'ai appelé ça porte ouverte. c'est pas une inauguration, c'est une truc porte ouverte. Où je vous accueille, c'est dimanche prochain, le 19. Donc voilà, vous pouvez voir l'espace qu'il y a là. Donc, il y a suffisamment de recul en plus, c'est pas mal. Euh, suffisamment de largeur, hauteur, ça va à peu près. Et puis le petit coin bureau. Donc ça, si vous voulez venir, eh bien, ça se passe. Dimanche prochain, le 19 novembre, à partir de 14h, où on fera un atelier portrait studio. Donc là, l'idée, c'est de, de que vous vous amusiez aussi avec ça, de, de tester des lumières, et puis d'être derrière l'appareil photo, et aussi devant l'appareil photo. Euh, on papote, bien sûr, et puis une conférence <laughs> sur le portrait de rue. Un dixième de seconde pour convaincre. Donc ça, c'est une conférence que j'ai fait que j'avais faite au salon de la photo à Bruxelles, que je n'avais jamais refait depuis. Euh, c'est une heure à peu près sur euh, bah, tout ce que j'ai appris moi sur, euh, sur la photo de rue et le portrait de rue plus particulièrement, donc avec plein d'expériences. Donc, si ça vous dit de, de venir. Donc, c'est à partir de 14h, euh, je ne sais pas quelle heure je ferai exactement euh, la conférence, pas trop tard non plus, je pense 16h30, un truc comme ça. Ouais, 16h30, 17h. Donc, si euh, vous voulez venir, est-ce que vous allez venir Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui vont venir euh, Ceux qui regardent, parmi ceux qui regardent là Ok, donc Philippe, avec plaisir, tu seras le bienvenu. Toc toc toc. Je reviens ici. J'attends un petit peu. Donc voilà, dimanche, dimanche prochain, à partir de 14h. D'ailleurs, il, euh, il y a une expo photo euh, à béton. Si vous voulez passer euh, voir, c'est euh, ça la confluence. C'est sûr, euh, sûr. Alors, je ne sais plus, j'ai plus le nom de l'artiste. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû euh, le partager aussi. Merci, Mario. Pas dispo, David. Toi, tu es encore avec les Mad Max, là, toute la compagnie des Mad Max. C'est tout le temps en Madrid, toi, de toute façon, les week-ends, j'ai l'impression. Et si vous avez une question, vous pouvez, je vais faire ça, intervenir en direct. J'ai un lien que je vais mettre dans le. Il suffit alors de cliquer sur le lien. Forcément, le lien n'est pas cliquable. Mais soit vous prenez une capture d'écran et vous l'intégrez. Et sinon, je vais faire, je vais faire ici un copier-coller. Copier. Je le mets dans le message. Coller. Pof. Normalement, vous lavez ici. Et quand vous co... enfin, attention, quand vous cliquez ici, vous allez apparaître à l'écran. Il bon, faut que je vous autorise, d'accord, etc. Mais euh, alors l'idéal, c'est d'avoir des oreillettes quand même, une petite webcam de cam. Et puis vous pouvez intervenir pour donner votre avis ou même poser une question. Si vous cliquez, moi je vous vois arriver et puis je vous fais intervenir pour poser votre question, discuter si vous avez donné votre avis, si vous voulez donner votre avis. Donc ça, c'est rigolo. Bon, Deux trucs un peu rigolos. Ah ouais, tu es en exploit saint thomas du -Bignier. Ok, avec plaisir. Mais tu nous feras bien une session de rattrapage porte ouverte? Je sais pas, hein, je sais pas. Hein. On verra, David. Allez, on continue. <coughs> oh, ah oui, toujours dans l'actualité. Bien sûr, le voyage au Kerala, donc en Inde du Sud, qui est, ça y est, qui est validé, qui est, euh, qui est, bah, qui est validé. Donc, on est, pour l'instant, on est combien On est 8, 8, donc il reste encore 4 places, hein, si vous voulez vous positionner. Donc, ça marche pour les photographes, mais aussi les non-photographes, pour les accompagnants, il y a deux tarifs. Euh, donc, toutes les infos sont là, sur bah, le site que je vous ai dit, hein, c'est formation-comment-devenir-photographe.com. Vous allez sur un du Sud, départ qui est là. Donc c'est du 27 janvier au 11 février, euh, sur 15 jours pleins. Et puis on bouge pendant 15 jours. Alors voilà, je vous ai mis euh, départ garanti, il reste 6 places. Maintenant, il reste 4 places, 16 jours, 16, 15 nuits, avec le voyage compris, le logement compris, la pension complète compris, les transports qui sont compris, le guide qui est compris, moi qui suis compris dedans. Euh, et puis, on fait un parcours qui va être, vraiment être sympa euh, sur 15 jours. Je vous montre la carte. Voilà, on fait ça. On arrive à, à Cochin, ici. Toc. Cochin, on va euh, dans les montagnes et on va visiter les villages, les cascades d'eau. C'est très nature, du coup. Là aussi, c'est avec les houseboats. On va descendre jusqu'en bas. Et puis on va remonter tout doucement avec les villages de pêcheurs. Et puis on va vraiment aller à la rencontre de, de bah, des habitants et puis de, de la culture de l'Inde du Sud qui n'a rien à voir avec l'Inde du Nord. Et ouais, avec le Rajasthan qui, qui est pas du tout pareil. Déjà, ça parle, ça parle pas du tout pareil. Euh, voilà. Et donc aussi l'annonce du stage portrait qui va euh, se dérouler. J'ai programmé le samedi 2 décembre. Euh, c'est sur une journée complète. On va le faire du coup ici. On va commencer ici pour, euh, bah, tout, pour les fondamentaux. Et puis on va euh, bien sûr après aller dehors. Euh, à béton, autour de l'étang, il y a plein de petits coins sympas. Euh, là, histoire de vraiment s'entraîner pour aller chercher. Donc, justement, les émotions dans l'art du portrait authentique. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Et c'est typiquement d'actualité avec euh, l'intelligence euh, artificielle, puisque l'intelligence artificielle, bon, il fait un petit peu. Euh, 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 limité avec ça. Et donc là, l'idée, c'est comment aller chercher un petit... Voilà, ce type de photo que j'adore faire, moi, justement. Euh, trouver la connexion pour pouvoir, pour avoir en fait les personnes qui puissent se lâcher devant vous, quoi, pour pouvoir en tirer le meilleur. Le Botswana, non, c'est encore à l'étude le Botswana, Frédéric. Euh, donc c'est Sylvie qui s'en occupe. Elle va voir, euh, justement, elle est en train de préparer ça. Donc ça, c'était... Euh, c'est une option qu'il y avait, mais forcément. Euh, donc, elle est en train d'étudier ça. Donc, euh, donc, dès que j'ai les infos, de toute façon, euh, je te tiens au courant, Frédéric. Donc, Boswana, ça va être plutôt pour la photo animalière. Donc, là, pour les gros zooms, il faut sortir vos gros zooms. Donc, samedi de séance, toute la journée. Et puis, avec un petit rattrapage. Alors, ce n'est pas un rattrapage, c'est une autre session sur la retouche du coup, portrait. Euh, ça, ça fait partie pour moi aussi de, de, de ça. Allez, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la mort des photographes Je cache le titre Allez, on reprend le petit jeu. Donc Philippe avait répondu la photo numéro 4. Et là, je vous les montre en grand. Ah là, il y a les bons chiffres. Quelle photo ou quelle au pluriel hein Philippe, tu m'en as dit qu'une. Tu m'as parlé de celle-ci. Est-ce que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième sont des photos issues de l'intelligence artificielle D'ailleurs, est-ce qu'elles le sont La question aussi peut, euh, peut se poser. Alors, je ne sais plus que ce qu'il y a après comme diapo, mais je crois que je donne les solutions. Vous répondez la quatre, Les quatre. Les quatre, non, ce ne sont pas les quatre. Il y en a. Quelques-unes, non, non, elles ne sont pas toutes euh, issues de l'intelligence artificielle. La 2. Ah. Bon, visiblement, ce qu'on peut dire, c'est que 1, 2 et 4, alors, 1, 2 et 4 qui sont issus de l'intelligence artificielle, ouais, ce n'est pas évident à savoir, hein. Il y a de ça, mais il n'y a pas de ça aussi. Ce n'est pas 100 complet. Ce n'est pas 100 bon. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Donc là, une serait la, la vraie, une vraie. La numéro 1 par l'IA, OK. Donc, les avis sont partagés. Hein. Allez. Est-ce qu'il y a encore des 2 et 4 La 2, intelligence artificielle. La 4, intelligence artificielle. Bon, allez, je, je crois que je vais vous donner les solutions je vais regarder là rapidement si. Si, si, si. <coughs> <coughs> Allez, les solutions. Quelle est. Alors, oui, si ça, je vous les montre en grand. Non, je vous les montre en grand et puis après, j'arrête de faire durer le suspense. Là, c'est pour, pour... Voilà, j'imagine que vous, sur vos écrans, ce n'est pas forcément euh, évident à voir. Donc je me suis dit, je vais vous la montrer. La une. Voici la une. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il me disait. David, tu disais que celle-ci était euh, de l'IA. La numéro 2, la voici. La une, c'est bonne. Ça veut dire quoi La une, ça veut dire que ce n'est pas intelligence artificielle, hein, Mario Ou c'est intelligence artificielle Raphaël la une de l'IA. On est pas mal. Donc la de la 3 Florian la quatre. Et maintenant, la photo numéro 4. Euh, pardon, ah oui, c'est le numéro dont je me, je me suis trompé. Donc, ça, c'est bien la numéro 4. Allez, les... je vous donne les réponses. Enfin, la réponse. Enfin, les réponses. Donc, quelle photo Nous avons celle-ci qui est faite par l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous donner l'auteur. Je ne sais pas du coup si on peut parler d'auteur. Euh, ça va être une question qu'on qu peut poser. Mais celle-ci a été faite par l'intelligence artificielle. L'autre, ça c'est une vraie photo. Voilà. Donc la une, ce n'est pas de l'IA. Et le reste aussi. Trois humaines, ok. La quatre, ok. Donc la deux, elle est bonne. La 3, c'est de l'IA aussi, du coup. Pourtant, j'avais l'impression que celle-ci faisait très, très fausse peut-être plus fausse que les autres et la quatrième aussi du coup donc c'est vraiment celle-là donc c'est vraiment euh, pas facile pas facile mais je dirais que c'est même quasi impossible à savoir en fait. là on voit bien que tout le monde va un peu dans tous les sens et, euh, et euh, qu'est-ce qui fait que pas évident évident du tout donc voilà la leçon la leçon c'est que ben c'est pas du tout évident alors juste un cette photo-là, la une et la 4 c'est Yann Fauchier qui, euh, qui les a, euh, on va dire, euh, comment on va c'est un grand mot, parce que c'est qui les a générés par l'intelligence artificielle. Euh, D'ailleurs, je vais vous mettre son compte ici. J'avais eu je, je pas aller. Voilà, c'est Yann ici, qui est aussi euh, votre vendeur préféré, à image photo à Rennes. Donc voilà, il avait fait celle-là aussi. Donc il a fait sur mid-journey e portraits Voilà. Celle-là fait un peu plus, euh, plus fausse, mais je trouve que, que c'est quand même très réussi. Celle-ci, on s'y croirait, franchement. Et celle-ci aussi, moi je trouve que celle-là fonctionne aussi carrément. Carrément aussi. Donc merci Yann de m'avoir partagé euh, tes euh, ce, 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 des photos. Et ça, ce sont des vrais. Voilà, parce que tu fais aussi du portrait. Donc si vous voulez avoir des portraits avec Yann, vous pouvez le contacter aussi. Il fait de très joli portrait, il maîtrise très bien la lumière. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Donc du coup, ben, la question qui se pose, est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'il faut... Euh... D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tout le monde sait... Eh ouais, ça t'étonne, ça t'étonne. La une, je ne pensais pas. Ouais, ouais, moi non plus, c'est pas évident non plus. Enfin, comme quoi, encore une fois, c'est euh, bluffant. Exactement, Philippe, c'est exactement le terme. La 3, et eh oui. Donc comme quoi, encore une fois, pour moi, c'est... Je ne sais pas si c'est possible d'avoir, mais euh, moi, vous me mettez en face. Enfin, si je me mets à jouer avec ça, euh, c'est vraiment du pif, du pifomètre. Et si encore, on ne me disait pas que c'était de l'intelligence artificielle. Et ben franchement, j'y croirais. quoi. Au milieu d'une série faite par, par quelqu'un, par un vrai photographe, euh, insérée, franchement, euh, si c'est dans à peu près dans le même style, à mon avis, c'est impossible à voir. Donc, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui s'appellent comme ça DAL-I, Mid-Journey ou Dream Studio. Euh, ce sont, euh, alors, je crois que j'ai mis une petite définition là. Voilà, c'est de la génération d'images réalistes à partir de descriptions textuelles. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait <coughs> ou qui ne connaissent pas du tout qu'on jamais testé, même sur euh, le chat, justement, comme ça. Donc, le principe, c'est ça, c'est que vous allez sur, par exemple, DAL-I, ça s'appelle DAL-I, et là, vous tapez, on appelle ça un prompt, euh, une description détaillée. Par exemple, là, ils mettent un impressionniste euh, peinture à l'huile de euh, à Sunflower sur CD... Euh, des euh, des trucs là du soleil là. bon bref dans un vase mauve donc ça se présente comme ça et puis generate et puis hop euh, voilà il vous génère quelque chose donc un prompt c'est ça c'est par exemple on en a un ici c'est créer 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 une image réalise d'une femme donc vous, si vous écrivez ça dans un chez dali ou chez dream studio ou chez un euh, truc l'autre là mid journée d'environ 30 ans, aux cheveux bruns mi-longs et ondulés, des yeux verts portant un chapeau rouge élégant, donc toute la description sur une image réaliste d'une femme. Voilà. Elle a un sourire doux et regarde directement vers la caméra. L'arrière-plan doit être un parc ensoleillé avec des arbres et un banc. La lumière est douce imitant un, une fin d'après-midi. Le style de l'image doit, doit rappeler une photographie professionnelle avec des détails fins et un rendu naturel des couleurs. Donc ça, c'est typiquement un prompt. Et à partir de ça, il va vous générer une image. Donc, ça, ce n'est pas du tout euh, le prompt d'après le prompt, hein, ce qui a été généré. Mais c'est pour vous montrer ce que font des. Ça, c'est sur Instagram. C'est des personnes qui font que ça. C'est du portrait AI, on appelle ça, euh, fait avec Journée. Et donc, ils il génèrent comme ça des portraits. Donc, ça devient, en fait, euh, le, le talent. Euh, dans ce truc-là, dans cette euh, expérience là bah, c'est l'art, ça s'appelle du prompt engineering, c'est l'art de savoir écrire les bonnes phrases, les bonnes descriptions euh, pour, euh, pour avoir ce résultat-là. Donc cela, moi, je les trouve plutôt réaliste quand même, même si hein, c'est un peu dans le même style, mais c'est plutôt euh, assez bien fait. J'ai fait quelques gros plans comme ça. Et là, je pense qu'il y a du mix, en fait, entre du Photoshop, du mid-journée pour avoir une première image. Et puis ensuite, il y a tout un travail de, de, de Photoshopage pour euh, ensuite faire comme de la, de, de, de la retouche beauté, en fait. Parce que là, on retrouve les textures. Alors, les yeux sont un petit peu, pour moi, un petit peu flashy. Donc, le logiciel, alors le logiciel euh, Mario, c'est euh, ce que je disais avant. C'est DAL mid Midjourney ou Dream Studio. Tu verras là-dessus. Alors, midjourney, ce n'est pas forcément très facile d'accès parce qu'il faut passer par un Slack, un serveur Slack, je crois. Euh, les, et, mais par contre, tu te rendras compte que si même tu essayes ça, le rendu ne va pas être terrible, terrible, terrible. Et là, c'est pour ça que ça s'appelle du prompt engineering, ingénieur engineer en prompt, en requête, eh bien, euh, ça te permet d'arriver sur des choses comme ça. Donc avec du gros plan, Donc vous pouvez aller voir son compte Instagram. Il suffit de taper aussi @midjourney ou AI pour avoir des, des résultats. Celle-là, je la trouve quand même très réaliste. Je ne sais pas si vous en pensez, mais non, pourtant c'est vraiment que du faux. Le son est assez fort, là. Je pense à ça d'un coup. Ouais. Ça, bah ça ça vous dit sûrement quelque chose. Là, ça fait vraiment très plastique, je trouve. Quoique des fois, il y a des retouches beauté qui sont, euh, qui sont presque aussi plastiques. Pour les yeux, ça voilà, ça, ça, ça clash un peu. Ça, ça vous dit sûrement quelque chose. La fille aux yeux verts, l'Afghane la, la, aux yeux verts. Et, et donc, l'intelligence artificielle, ça se nourrit de millions d'images. De millions ou des de millions, peut-être de milliards, je sais pas. Ça s'est nourri. Et puis, d'après euh, la description de votre texte, eh ben, il va générer comme ça, il va essayer de se rapprocher. Alors, le, le, le dilemme qu'il y a justement, c'est que euh, bah, l'intelligence les, les, euh, <coughs> artificielle va se nourrir de… Va se, va, comment dire va, 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 C'est un petit peu du… Ce n'est pas du copiage, on va dire, d'œuvres, de, de, mais il s'inspire beaucoup. Quoi. Donc, euh, c'est là où les œuvres risquent d'être euh, d'avoir un problème au niveau de la… Des droits. Ah, merde, je ne trouve plus mes mots. Je suis droits d'auteur, voilà, c'est ça. Donc là, on reconnaît directement tout de suite l'inspiration de Steve McCurry, justement, sur euh, la fille euh, afghane aux yeux verts. Et il fait d'autres trucs, pareil, du noir et blanc aussi. On peut le voir aussi, ce là noir et blanc. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi aussi, du coup, ce portrait noir et blanc. Et ça, c'est un autre caspar.jade. Donc, encore une fois, euh, on ne peut pas reproduire en mieux un portrait, portrait qu'on aurait fait. Non, parce que ça reste, bien évidemment, que de la création, en fait, ce, 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 ce truc-là. Ça, ces personnes-là n'existent pas. C'est que du faux. Là, je vous montre quelques exemples. Donc c'est une autre façon, on va dire, de, 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 de créer des images. Euh, photographie, écrire avec la lumière, on n'y est euh, pas du tout. On n'y est pas encore. Mais, enfin, on n'y est pas encore dans le sens où... Euh, a, là, c'est plus de la création de lumière, on va dire. C'est plus dans ce sens-là. Puisque là, il n'y a pas eu d'appareil photo, il n'y a eu que de, de la création. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très réussi. Franchement. Et donc ça permet aussi d'être assis dans son fauteuil derrière son ordi et de quand même créer des images, en tout cas des photos, même si là, c'est là où la frontière commence à être un petit peu étrange. Euh, la personne n'a pas été avec son appareil, n'a pas, pas été sur les lieux, n'a pas attendu le bon moment. Il, est juste, il a juste sorti de son, son imagination le visuel qu'il qu qu voulait en fait. Donc encore une fois, le lieu n'existe pas. Les personnages n'existent pas, mais c'est un petit peu comme la peinture. On parle d'une toile blanche. Hein. Pour moi, c'est un petit peu ça. Hein. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce encore de la composition Ben, c'est là où c'est du... justement c'est une Alors, Je mets ta question ici. Est-ce encore de la composition Ben, là, forcément, on n'y est plus parce que c'est généré automatiquement. Donc là, ça se fait tout seul la composition. Euh, il n'a pas dit ⁇ je veux le personnage ⁇ on pourrait dire peut-être ⁇ je veux le personnage là, je veux le personnage là euh, ⁇ En tout cas, en plus, c'est que le début. Euh, donc là, c'est clair que pour moi, il n'y a pas de choix euh, au moment du déclenchement, puisqu'il n'y a pas de déclenchement non plus. Et donc c'est là où, Eric, comme tu le dis, bonjour les arnaques. Là, les arnaques, ça peut être effectivement pour euh, la création, la banque d'images, création de banque d'images. Là, ça peut être par contre un marché à prendre. Ça peut être une nouvelle façon, on va dire, de générer des images. Donc là, je, je, des images à l'aspect euh, photo. Euh, donc il y a eu la peinture, il y a eu le dessin, euh, il y a eu les, les graphistes qui faisaient de très belles choses. Là, maintenant, on a peut-être un autre métier qui est euh, prompt engineering pour générer de la photo. Faudrait, je pense qu'il va falloir trouver un, un terme pour, pour définir cette nouvelle activité qui va naître. Parce que clairement, moi, je n'ai pas envie de me mettre là-dedans. Euh, moi, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Euh, moi, j'aime bien être plongé dans le lieu et puis saisir ce qu'il y a à saisir, en fait. Et là, essayer d'en faire des choses, des choses belles. Et c'est vrai que partir d'une page blanche, moi. Euh, Imaginer, euh, imaginer ou demander un prompt, euh, une requête pour décrire euh, les fleurs, le, le personnage, le flou, etc. Je ne suis pas forcément euh, doué dans ce domaine-là, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont plus douées et qui pourraient, euh, je pense, euh, réussir. Et d'ailleurs, ce, cette personne-là, elle, euh, elle crée des NFT. Donc des NFT, ce sont des, des œuvres d'art en fait cryptées. Euh, alors Philippe, tu seras peut-être mieux, sauras peut-être mieux expliquer ça, mais le principe c'est ça, c'est qu'on euh, crée une espèce d'image euh, virtuelle, en fait, euh, qu'on peut s'échanger sur ordi. Et une fois qu'on l'a acheté, personne d'autre ne peut l'avoir. On ne peut pas la reproduire, on ne peut pas la copier. Donc effectivement, euh... toc toc toc, je mets en même temps vos, vos remarques. Pareil, si vous voulez intervenir, vous cliquez sur le lien. Est-ce qu'il n'y a personne d'invité là vous Cliquez sur le lien que j'ai mis. Vous voulez que je remette ou pas Hop Si que quelqu'un veut euh, dire quelque chose pendant, je ne sais pas moi, une minute. Hein Donc forcément, ça ne changera, bien sûr. Euh, ce que je disais, c'est que euh, Chris, bah forcément, on aime se balader. C'est à ce moment-là qu'on aime faire les photos. Et encore une fois, il y a peut-être des, des personnes qui veulent se, qui vont peut-être se professionnaliser dans ce domaine, qui eux, on n'a rien à cirer de la balade, mais qui vont être plus sur, sur, sur on va dire, la création pure, quoi, numérique. Création numérique. Le monde change, le monde change. Donc, ça, j'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça chouette, celle-là. Voilà, ça, ça, ça je voudrais que ça pourrait être vendu, même des fois. On voit des, des photos qui sont un peu du même type à. Ah, comment ça s'appelle déjà Yellow corner. Et des fois, il y a des trucs. Ça, ça pourrait être créé par l'intelligence artificielle, je suis sûr. Sûrement... Vous trouvez pas On est timide. Oh, Jacqueline, je ne suis pas sûr que tu sois très timide. Ah ouais, ben non, mais pas intéressé, mais comme tu étais, je crois, dans, la, dans le numérique... Euh, hop. Les NFT. Je pense que ça fait un flop un petit peu les NFT. Les cours des NFT en train un petit peu de, de tomber. Donc, ça, c'est pareil. Caspar.jade, voilà, qui s'éclate. Je, je suis sûr à créer euh, de belles choses comme ça. Ça aussi, un portrait, on voit bien, un portrait. Et là, est-ce que les personnes existent ben, je, je, je ne crois pas. Je crois qu'il mettait dans, dans les commentaires. Il commence sur le premier tag c'est euh, This is not real. Donc ce n'est pas, pas réel. Donc il est honnête aussi, mais jusqu'à jusqu'où on va être euh, des personnes, les personnes personnes-là vont être honnêtes. Salut Benjamin. Donc là, les photographes sont-ils en danger <laughs> Bah j'ai envie de dire à votre avis à votre avis tiens avant de, avant de dire ça les photographes. Moi j'ai envie de dire quelqu'un va intervenir là hop un petit clic sur le sur le lien non. Ma souris. Ma souris. J'ai plus de souris. Ah, si elle est là. Donc, une petite réflexion. Voilà, l'IA générative. Donc, ça s'appelle comme ça, l'IA générative, parce qu'elle génère. Euh... Alors, capable de créer des photos en quelques secondes, pose un, pose un défi quant à l'esthétique, le ressenti et la valeur artistique des images. Voilà, quelle valeur on pourrait leur donner à ces images-là. Donc, malgré la qualité visuelle impressionnante, et là c'est clair que c'est vraiment euh, impressionnant, il y a quelque chose que les photographies authentiques, euh, il, y a quel, il y a quelque chose dans les photographies authentiques que l'IA ne semble pas saisir. Ouais, donc il y a encore du progrès à faire au niveau de l'IA. Ah oui, vous êtes en pyjama, d'accord. Donc du coup, la leçon de tout ça, bah, c'est effectivement aller chercher des photographies authentiques, aller chercher des émotions euh, chez, les, euh, chez les personnes que vous allez rencontrer. Donc, visiblement, ça, est-ce que c'est une vraie photo ou une, ou une génération, générée par, euh, par l'IA Alors, c'est clair que... Benjamin, tu mets les photographes et tous les autres métiers sont en danger. Oui, bien sûr. Euh, parce que ça va permettre aussi euh, à certains photographes euh, amateurs, on va dire, de, 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 de se glisser dans la brèche, en fait. Euh, Oui, c'est une vraie, bien sûr. C'est une Franck Boisselier, oui, parce que j'aime ça, moi, capturer les émotions comme ça. Euh... Donc, on aura toujours besoin d'un photographe. Alors, j'avais commencé à dire quelque chose. Euh... Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce qu'il y avait eu aussi pendant. Euh... L'arrivée du numérique, quand il y avait l'argentique et le numérique, il y a plein, plein de monde, et encore maintenant, plein de monde qui, qui sous prétexte qu'il y a un appareil photo numérique et que c'est facile à prendre, qui vont se lancer, se lancer, et faire des trucs, mais vraiment, des fois, des trucs, moi, je vois des trucs, c'est vraiment pas joli, joli, quoi. En se disant, bah, tout, de toute façon, les logiciels, la bidouille, euh, vont rattraper ce que, ce que je ne sais pas faire, les, les, les compétences que, que, que je n'ai pas acquises. Euh, donc, ça, il y aura toujours de toute façon un petit peu plus de concurrence. Et c'est clair que ça, à mon avis, ça a mis à mal tous ceux qui avaient un, un espèce de monopole, on va dire, des photographes qui étaient installés, qui avaient pignon sur rue, euh, et du coup, qui avaient beaucoup moins de concurrence parce que c'était beaucoup moins accessible. Il fallait des vraies compétences, là, du coup. Euh, parce qu'on n'avait pas le résultat tout de suite, parce qu'il fallait, fallait des années, ou en tout cas beaucoup d'années, pour apprendre la composition et pour maîtriser les aspects techniques et, le, et justement cette, cette lumière qu'il fallait maîtriser. Euh, moi, je sais qu'avec euh, l'argentique, euh, comme je ne faisais pas assez, j'ai galéré. Quoi. Et c'est au moment du numérique où j'ai vraiment évolué, parce que là, je pouvais tester, voir tout de suite. Voilà, bien sûr, j'ai continué à... à à gravir, on va dire, à à, à, à monter en compétence euh, pour être vraiment à l'aise. Et puis, pour aller chercher le petit plus, pour moi, ce que j'appelle ça, enfin, ce que j'essaie à chaque fois, bah, c'est euh, effectivement au niveau de la composition et puis au niveau des, des, des émotions, d'avoir le, le palier euh, un petit peu plus, un peu, un peu plus haut. Quoi, et pas seulement la photo qui est correcte. Donc là, je pense que ça va être... De mon humble avis, la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y aura beaucoup d'images, beaucoup de flux, beaucoup de flux, beaucoup de flux, beaucoup de flux, mais il y aura toujours besoin voilà, d'un photographe, malgré tout, comme tu dis, Patricia, pour les vraies expertises, en fait. Les vraies expertises, ça va être justement les, les émotions. Et d'où, alors je n'ai pas fait exprès de, de faire ça à ce temps là mais d'où le, le, le stage photo que j'organise. Ça, c'est un petit rappel. Euh, donc, le 2 décembre, si vous êtes dispo, Venir de 9h à 18h30 pour qu'on voit ça, vraiment qu'on qu qu s'amuse pour aller chercher ces émotions-là et euh, ce côté un petit peu authentique. Hop. Donc, comment s'en servir à son avantage Parce que du coup, ça va être ça. C'est quoi, quand même, les avantages Que devient le plaisir de shooter ben là, il n'y a plus de shoot pour l'intelligence artificielle. Mais effectivement, euh, c'est ça. C'est pour les feignants. Et vous allez voir, j'étais feignant. On va prendre un cas concret. Comment avantage Cette photo-là, je l'avais prise moi à Prague euh, il y a quelques, quelques années déjà. Et puis, j'aimais bien, mais c'est vrai que les personnages-là, c'est un petit peu. C'est un petit peu... Voilà, bah, bref, bref, on a envie toujours un petit peu mieux. Et c'est vrai qu'avec les outils qui sont mis à notre disposition en ce moment, eh bien, paf, il suffit de. Là, sur Photoshop, de cliquer rapidement. Et ça, ça le fait vraiment rapidement. Autant avant, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait les, utiliser les pinceaux et passer des heures et des heures. Maintenant, en un coup de pinceau, on, bah, je vais enlever tout ça ici, les lignes qui gênent un petit peu. Je vais garder bien sûr celle-là. Et les, les gens qui font. Euh, bah, finalement, en fait. Euh, c'est le côté anachronique en fait moi ce que j'aime pas c'est avoir des, des gens de, de nos jours avec une, une photo qui apparaît euh, même dans le rendu hein, dans, dans la retouche qui fait un petit peu ancien donc je me suis dit oh, allez, ce sera un petit peu mieux si j'essaie d'enlever les gens qui sont là et même ceux qui sont là pour encore simplifier un peu le truc le ciel non j'y ai pas touché au ciel mais je pourrais aussi très bien euh, euh, toucher le ciel tu vois j'ai pas touché au ciel et là ça fait un peu plus simple voilà un peu plus simple euh, plus dégagé voilà, qui, qui... Donc ça, ça peut être utilisé, même du, des fois du côté chez les pros, on peut, euh, des fois on n'a pas le temps. Hein. Encore une fois, c'est une question de temps, le temps c'est de l'argent. Les entreprises ou les professionnels ou les clients n'ont pas forcément des budgets illimités. Donc des fois, il faut trouver des solutions rapidement et se dire que, qu'on eh ben, peut avoir éventuellement l'outil qui permettra ben, d'enlever certaines choses. Quoi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quand même une plus-value. Enfin, en tout cas, un truc. Voilà, je vous montre les deux photos, l'une à côté de l'autre. C'est vraiment bien fait, quoi. D'un coup de pinceau, on voit bien qu'il refait les, les textures ici. Alors, des fois, il y a des petites aberrations. Euh, là, ça va encore sur le toit. Enfin, bref, c'est vachement bien fait. Un autre cas concret. Et là, c'est typiquement, euh, typiquement, voilà, c'est ça. Je vous parlais de la sortie que j'avais fait avec. Euh, euh, donc, c'était vendredi dernier, là, aux eaux de la Bourbon C'est juste à côté de Rennes, pour ceux qui connaissent. Donc, là, je me trouve dans un endroit où il y a une panthère. Alors, je ne sais plus le nom de la panthère. Alors, ça donne quoi l'impression Je n'ai pas regardé l'impression, mais si, c'est très bien à, à l'impression. Toi, je crois que tu es spécialiste des impressions, il me semble. Euh... Sur presse, il me semble Frédéric Guarin. dans le coin, il me semble, je ne sais plus. Euh, donc là, on est sur du F4 3200 ISO. Ouais, J'ai pas trop le choix, je ne je pouvais pas ouvrir plus. 160 e Voilà. Ça bouge un peu, hein. je suis au 67 mm, je ne sais pas si l'équivalent. Il me semble que oui, mais euh, je ne sais plus. On est sur un petit capteur ici. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Je suis là. Est-ce que je peux revenir Non. Est-ce que je peux changer les conditions de lumière Non. Est-ce que je peux changer l'arrière-plan qui, on voit bien qu'il est dans une case, donc ce n'est pas très, pas très jojo. Quoi. Joli chaton, et oui, comme tu dis, Chris. Donc qu'est-ce que je fais ben, Je retouche un petit peu pour essayer d'équilibrer euh, les zones claires derrière et puis le contre-jour. Ça met contre jour. Contre -jour hein. Alors pas facile. Hop. Ah bah ben, si, tiens, il y a David. David, t'es prêt va... Qu'est-ce que tu veux nous dire, David Alors, double clic. Est-ce qu'on va t'entendre Est-ce que tu nous entends Vas-y David, je t'écoute. Le micro. Euh, Est-ce que je t'entends Non. Est-ce qu'il parle Est-ce que vous l'entendez, vous Hop, là, je t'ai coupé le micro. Donc dès que tu es prêt, David, tu, tu dis. Hein. Mais nous, on est prêts. On est prêts à t'accueillir. Ah ben bah non, il a quitté. Donc, je reviens à mes moutons. Hop euh... Donc cette photo-là de base, bah, plutôt moyenne, quoi. voilà On a la petite bête, j'essaie de composer avec cette ligne-là, mais euh, bon, pas... Bon, y a pas... bref, l'arrière-plan, il, est... il est pas terrible, terrible. On a des feuillages, mais... Euh... Et puis surtout à 3200 ISO avec un... Avec cet appareil-là, c'est pas. Je, 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 on voit bien le, 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 le bruit. Alors là, la retouche, elle est, elle est là, franchement pas satisfaisante du tout. Quoi. Là, j'avoue. Ah, il y a ton lave-linge qui tourne, d'accord. Tu veux. Ah, bah voilà. Alors attends. Vas-y, et maintenant Donc tu peux parler maintenant, David, si tu veux. Écoute, hein. tant pis, t'es à l'antenne, es à, à l'antenne pourtant. En plein écran, même là. Ah non, il y a... ok, d'accord. Bon, bah tu me dis. Non, le tempête. Non, parce qu'il ne parle pas. Hein. On... Là, j'ai pas de son, j'ai rien du tout. Hein. Bon, tu me redis quand tu es prêt. Euh... Donc voilà, ça c'est la version retouchée. J'essayais de... Bon, on voit bien. Voilà, bruit numérique. Donc tu veux activer le micro ou quoi, David Là, David, on t'entend, c'est à toi de jouer maintenant. Dépêche-toi parce que les gens sont impatients. Alors, le micro. Toc. Mmh, mmh. Témoin du haut-parleur. Est-ce qu'on peut voir ça Bon, bah écoute, hein, je ne te vois toujours pas. Allez, tant pis. Hop. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, qu'est-ce que je fais Alors là, c'est là où je me dis ok, bon, tiens, un peu déçu, il y a les branches bon, derrière on va essayer d'en faire quelque chose. Voilà, et puis on se dit, donc là c'est un peu par, par euh, ben bah, voilà, je manque de matériel, euh, je manque de temps. En tout cas, euh, imaginez qu'on va dans un safari photo ou en voyage, et puis euh, bah, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas revenir, bah, on est quand même un peu frustré, un peu déçu, bah, on se dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose quand même. Alors, je, là encore une fois, c'est euh, la démarche, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plus une démarche perso. Euh, et donc, du coup, j'essaye de faire ça avec justement l'intelligence artificielle et Photoshop pour essayer de créer, de changer l'arrière-plan. Mais on voit bien, encore une fois, c'est très, très sale. Voilà, c'est pas beau du tout. Euh, c'est pas forcément très, très bien intégré. Et du coup, c'est là, au fait, où je passe par bah, des, des logiciels qui sont euh, boostés l'intelligence artificielle, justement. Et là, pour euh, notamment avec DxO euh, Pure RAW, qui va lui récupérer le bruit, enfin qui va atténuer le, le, le bruit numérique, qui va rajouter un petit peu même de, de détails, qui va euh, bah vraiment, qui va bah, rendre une photo de qualité plutôt moyenne à une photo plutôt correcte, quoi. Et avec justement l'intelligence artificielle de Photoshop, bah, j'ai pu euh, recréer une espèce d'environnement naturel. Enfin, Qu'on a, qu a l'air naturel. Donc, du coup, ça fait une photo sur laquelle bon, je suis content. Enfin, content. Je suis moins frustré. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Euh, ce n'est pas le genre de photo que je ferais dans une, dans une exposition parce que, encore une fois, la, la qualité est plutôt moyenne. Mais on va dire que ça sauve, ça sauve le truc. Voilà. C'était aussi l'histoire de, de m'amuser. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour essayer bah justement de, 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 de développer des compétences, pourquoi pas d'autres compétences. Et ça, encore une fois, on l'a sur, sur ce, cet animal-là, mais ça pourrait être très bien sur autre chose. Euh, moi, je sais que je l'ai utilisé euh, quand j'ai été faire toute une photo d'équipe avec des notaires. Là. Euh, là, il y avait, je ne sais pas, moi, il devait être euh, 20, 25 notaires, voilà, toute une photo de groupe en extérieur. Et en arrière-plan, j'avais un parking. Ah, typiquement, hop, de la sélection, et puis j'ai remplacé ça par, euh, par un peu de, 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 de feuillage, etc. Et là, j'avoue que ça m'a bien servi. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'y passer des heures. Ça se fait en un clic. Donc du coup, je peux me le proposer au client, ça aussi, du coup. Parce que euh, ça, demande, ça demandait des compétences avant en Photoshop pour pouvoir y arriver. Donc, Puro, tu utilises ton appareil ne gérant pas bien la montée en ISO. Ouais, exactement. C'est vrai que tu étais sur un Canon euh, qui n'est pas tout jeune, mais du coup, avec. Euh, c'est vrai, je me rappelle. J'ai vu quelques portraits qui étaient, qui étaient chouettes d'ailleurs, euh, que tu que avais envoyés. Euh, je pense qu'il est peut-être passé par euh, Puro, plus l'objectif qui était plutôt de bonne qualité. Ça marche bien. Allez, on passe à la suite. Donc, les photographes petites et l'IA pour améliorer la qualité visuelle des images. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait. La qualité visuelle, c'est. Enlève du bruit, corriger les défauts, ah ouais, ça arrive des fois. Et ajouter des effets artistiques grâce à sa capacité à analyser les données telles que la couleur, texture et la luminosité. D'ailleurs, il y a un logiciel qui est apparu, ça c'est plus pour la vidéo, mais qui recrée des, de la lumière, en fait, un sens de lumière. Ah oui, Nikon, je me trompe à chaque fois. Donc les logiciels de retouche sont basés sur l'IA. Offre des fonctionnalités avancées pour la correction rapide des couleurs, luminosité ou des contrastes, même pour des tâches créatives plus complexes, ce qui permet de gagner du temps en post-prod, notamment euh, Lightroom qui, euh, qui en détourage fait des, des, des merveilles. Moi je me régale avec ça. Donc l'IA peut aussi être utilisée pour générer automatiquement des photos et des effets artistiques, ou ainsi de nouvelles perspectives créatives pour les photographes. Ça, c'est ce qu'on euh, a vu avec Photoshop. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça peut se passer avec Photoshop. J'avais fait quelques exemples ici. Euh, alors, si vous voulez aller voir les photographes, ouais, c'est aussi, hein, vous tapez Mid-Journey euh, mid Portraits et vous pouvez trouver plein de portraits qui sont faits. Alors, bien sûr, là, il y en a qui sont très plastiques. Ça fait très BD. Mais vous pouvez demander en rendu photo, mais euh, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aussi demander un rendu BD, en fait. Rendu euh, peinture à l'huile, rendu euh, dans le style de. C'est ça qui est, qui est, impr qui est impressionnant. En fait. bon, là, ça fait très, très poupée ça ça marche pas du tout et ça ça fait tu vois c'est aussi un hein, mid journée midi journée Hop. et donc je voulais vous montrer ici paf avec un petit photoshop ici comment ça se goupille alors j'espère que ma carte graphique va fonctionner parce que il me mettait qu'il y avait des soucis donc, j'avais testé tout à l'heure avec, en prenant. Alors, le, le but, hein, vous partez d'une photo ici, avec l'outil de sélection. Hein, alors, je vais, je vais m'enlever de là. Hop. Avec l'outil de sélection, comme ça, ici, ou l'outil de sélection, vous sélectionnez une zone. On va voir. Et là, vous lui dites. Alors, ça marche maintenant en français. Alors, ça y est, ouais Photoshop, forcément, il ne marche pas parce que la carte graphique, je crois qu'elle sature avec tout ce que j'ai. Euh, tout ce que j'ai. Donc, je ne vais pas le faire, mais il faut sélectionner comme ça. Et là, il y a cette petite fenêtre-là. J'espère que je ne vais pas tout planter. On va désélectionner. On va quand même essayer. Non, il ne peut pas faire ça. Hop. Donc, comme ça. Et là, vous tapez ici. Il vous met prompt machin. Toc. Euh, bon, ce n'est pas grave. Sélection. Et là, vous tapez ce que vous voulez. Donc, là, je lui avais mis enlever les, les gens. Voilà, effacer les gens. Toc. Ou alors, et ce qui marchait mieux, c'était de sélectionner juste une personne comme ça. Voilà, remplissage génératif. Et vous lui dites, enlever, voilà, euh, effacer la personne. Et là, il va effacer. Alors, ce n'est pas celui-là, ça, c'est quand j'ai fait une grosse sélection. Mais on va choisir ici, élément par élément, effacer la personne. Et vous pouvez voir ici en bas à droite, que ça s'efface petit à petit comme ça. Toc. Ça, c'est un autre truc on s'en fiche. Hop, et là, c'est les personnes à droite qui sont ici. Donc des fois, ça marche bien. Et on voit bien, ça le fait d'un clic. Quoi. Oui, ça marche en français, euh, Philippe. Ça y est, c'était la version d'essai, ça ne marchait qu'en anglais. Et là, ça marche en, en français. Et là, c'est le câble là-haut. Donc, je me suis pris en plusieurs fois. Hop, et là, d'un clic, on sélectionne, on fait pof, effacer ça il n'y a même pas besoin de même d'écrire effacer je crois qu'il y a un, un truc euh, enfin comme quoi je ne suis pas forcément un spécialiste mais je crois que l'outil gomme peut le faire tout de suite je crois que cet outil là peut le faire directement je crois Je j'ai pas testé parce qu'encore une fois ah non, alors c'est pas celui là il y a un autre outil gomme euh, gomme magique alors je sais plus lequel c'est non c'est pas celui là non plus enfin bref Hop. Et donc là, encore une fois, j'enlève les, les lignes électriques. Et on peut même rajouter des personnages. C'est là où on, on peut lui dire rajoute-moi un Père Noël. Et le Père Noël va être éclairé. Alors, ce n'est pas forcément cohérent, mais euh, on peut s'amuser comme ça. Ou rajoute une femme qui regarde le métro. Et c'est là où on peut euh, faire un peu n'importe quoi. Et puis là, je me suis amusé, mais. Euh, juste partir de <laughs> une tête de chien un portrait de chien pour lui ajouter un bonnet il suffit pareil de sélectionner sa tête on lui dit ajoute-moi un bonnet de Père Noël et puis on lui dit pareil le l'arrière-plan l'arrière-plan alors je j'ai fait une phrase basique hein. encore une fois euh, on peut faire ces cartes de vœux rapidement avec euh, en partant d'une photo, et la photo, c'était. Euh, où est-ce qu'elle est, qu est Voilà, c'était une photo que moi j'avais. J'ai dû la voir sur Insta. Donc, euh, voilà les outils qu'on peut. Euh, donc là, c'est un petit peu l'outil supprimé. Euh, euh, donc, comment le métier de photographe va transformer Alors, ouais, c'est ce que je disais sur, sur Lightroom. Sur Lightroom, la sélection, euh, euh, le mode sélection, pour moi, c'est qu'on peut sélectionner l'arrière-plan, sur le visage, qu'on peut sélectionner une personne et que lui va repérer où sont les yeux, les lèvres. Donc, on peut faire de la retouche beauté facilement, alors qu'avant, c'était plus pour euh, euh, dédier à Photoshop. Donc, ça, ça, autant, euh, je sais qu'il y a des photographes qui peuvent passer 5 heures sur une photo. On appelle ça de la retouche beauté, faire des, des trucs, très voilà, ça c'est leurs compétences qu'ils ont développées pour faire vraiment des, 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 des photos euh, type magazine ou, euh, ou pour de la pub finalement. Donc ça, ces compétences-là, ils les ont développées et ça leur fait euh, une… Euh, une euh, c'est un moyen de se démarquer par rapport à d'autres photographes comme moi, par exemple, qui ne font pas du tout retouche beauté parce que moi je ne veux pas trop me mettre sur, sur Photoshop, je n'ai pas envie d'y passer des heures. Mais par contre, Lightroom, avec les petits masques qu'il a trouvés en, en, haut, enfin, en simplement euh, pouvoir sélectionner euh, les yeux, la peau du visage, la peau du corps, euh, et faire des, des corrections basiques, eh bien, ça permet tout de suite de faire... Euh, alors je ne vais pas dire de la retouche beauté, parce que ceux qui en font vraiment, ils vont vraiment se foutre de ma gueule. Euh, comme Yann, par exemple, qui lui fait de la, de la bonne retouche. Euh, mais euh, ben voilà. Donc, mais ça, voilà, ça permet de monter d'écran comme ça. Donc, Frédéric, moi qui suis moyen procédé de modification, je suis bluffé, pas encore essayé sur la nouvelle mise à jour. On est d'accord. C'est pour ça que ça, ça va permettre à pas mal de monde d'y accéder. Et il va falloir justement se différencier par rapport aux autres. Donc, comment le métier de photographe va, va se transformer Pareil, Béa, oui, la retouche de peau, c'est impressionnant. On est d'accord. Donc comment le métier de photographe va se transformer ben, C'est là où justement l'utilisation de l'IA en photographie offre de nouvelles euh, perspectives, de possibilités créatives, mais soulève également des questions éthiques et de propriété intellectuelle. Donc ça, on en a parlé. Euh, L'IA s'inspire de toutes les, 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 les œuvres d'art qui ont été créées euh, par, par des personnes. Voilà. Donc, il faudra utiliser cette technologie de manière responsable pour éviter les abus et les risques de violation du droit d'auteur. Ça, c'est encore en débat de toute façon. C'est le début hein, de, de l'intelligence artificielle. Ça, ça évolue à, à pas de géant, vraiment très vite. Et ça évoluera plus vite que les lois. Donc, préparez-vous. préparez-vous enfin, préparez pour ceux qui sont euh, dans le métier. Donc les législateurs et les organisations professionnelles de la photographie ont un rôle à jouer pour encadrer l'utilisation éthique voilà, de l'IA, tandis que les photographes devraient prendre des mesures pour protéger leurs droits d'auteur. Ça commence, ça commence à arriver avec l'AICA qui a sorti un appareil photo, qui soi-disant, soi-disant, je dis bien soi-disant, parce qu'encore une fois, la technologie va beaucoup plus vite que le reste. Et donc la profession de photographe évoluera probablement vers une intégration plus poussée de l'IA, tout en maintenant l'importance de la créativité humaine. <coughs> Et de l'authenticité. On est d'accord que eh c'est là-dessus qu'il va falloir se différencier. Donc, utiliser les outils, ben ouais, je suis d'accord, il va falloir. Euh, et d'ailleurs, je, je commence à les utiliser aussi. Mais il va falloir justement garder cet aspect un petit peu euh, où, comme on disait, l'authenticité, on va en avoir besoin. Donc, euh, pour le euh, bah, LEICA, c'est ça. Euh, le premier à intégrer la norme Content Authenticity Initiative. Voilà, la principale nouvelle du LEICA M11 n'est pas matérielle ne et, et ne repose pas sur un saut technologique. Le vrai changement concerne la norme Content Authenticity Initiative. Donc, c'est euh, le MP11 devient le premier à intégrer euh, appareil photo à, à, à l'intégrer. Donc, qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Je crois que j'ai mis un exemple ici. C'est un petit logiciel euh, qui permet de protéger les images. En fait, c'est comme si elles étaient tatouées, quoi, une espèce de marqué. Euh, et donc, qui serait Les intelligences artificielles, apparemment, ne pourraient pas les prendre en compte dans leur, dans leur requête. En fait. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, même si les photos truquées ne datent pas d'hier, effectivement, différents acteurs plaident pour une vérification de l'authenticité des images et le suivi des retouches de la prise de vue à la diffusion en ligne. Donc, à la clé, une plus grande confiance dans les images qui circulent dans les médias et sur les, les réseaux sociaux. Donc, c'est sa recherche de l'authenticité. Et donc, d'ailleurs, et c'est pour ça, moi, je voulais euh, euh, finir là-dessus, finalement, est-ce que finalement, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était euh, Chris, 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 qui mettait, alors, j'ai exprès gardé... Euh... Donc, alors, attends. Je vais retrouver ton commentaire. Hop. Ben alors. Donc, finalement, est-ce que la vraie authenticité, si on sort du numérique. Ce ne sera pas finalement le retour à l'Argentique. Et je crois que c'est Chris hein, qui disait ça. Je cherche, je cherche. non, non je ne retrouve plus ton commentaire. Eh bien, remets-le. C'est si lui, si tu l'avais mis tout à l'heure. On est d'accord que finalement, est-ce que c'est. Euh... Donc je l'ai là, ce gros bazar. C'est un 6-9. Donc euh, j'ai fait quelques roues avec. Pas encore, pas encore beaucoup. 6, 9, moyen format. Là, il y a zéro électronique. Il n'y a même pas de pile dedans. Donc, euh, on est loin. J'adore le petit clic. Et donc, et là, c'est, c'est, comment dire, c'est. Euh... Ben là, c'est. c'est euh, enfin, vrai que là, c'est la photographie du film. On le met dedans. On cadre, on compose. Et c'est vraiment tout se passe à ce niveau-là. Quand On est même sur une focale fixe. Il n'y a même pas de une mise au point vraiment succincte, sommaire. Quelques réglages d'exposition qui sont faits, soit parce qu'il n'y a pas de cellule à l'intérieur. Donc soit on impose maître ou soit on cède avec euh, quelqu'un d'autre. Hop. Alors, je. Euh, donc, c'est peut-être ça. Alors, du coup, moi, j'ai plein de rouleaux ici. Ce que je vous propose, c'est dimanche de venir tester, si vous voulez, cet appareil moyen format argentique. Je vous le prête. On est sur de la mesure. Euh, c'est euh, ouais, de la, Enfin bref, si vous voulez tester ça. Donc c'est format 6-9. 6-9, c'est ça, quoi. 9 par 6. Le négatif, il fait ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais vous montrer derrière. On n'est pas sur du capteur. Euh, même plein format, c'est de la rigolade. Euh, comment ça s'ouvre, ça déjà Je ne sais plus comment ça s'ouvre. Normalement, c'est là. Ah non, c'est là. Voilà, c'est Donc vous avez vu la taille un petit peu. Voilà. Ça, c'est la taille, on va dire, du capteur. 6, 9. Donc ça vous fait des photos avec une définition. Alors, on ne va pas parler en millions de pixels, mais. Euh... Et donc, dans un film comme ça, vous avez... Euh, je crois que c'est 8 poses. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est 8 poses. Il pèse combien euh... Il pèse, il pèse, je ne sais pas, moi, euh, 300 grammes. Non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Il bah, faudra venir essayer. Donc voilà, si vous voulez venir essayer. Alors, le truc rigolo, c'est que les rouleaux, les films, sont, euh, sont périmés. Et, mais ça marche quand même. Voilà, moi je l'ai testé, je l'ai fait. Et euh, ça fait des, plutôt des jolis noirs et blancs. On peut les numériser après. Donc par contre, vous repartez avec votre rouleau. Et puis, ben, vous, le, vous pouvez l'emmener dans différents, différents magasins pour le développer. Pour développer la pellicule et éventuellement numériser la pellicule. Voilà, pour vous amuser. Donc il y a de la couleur. Il y a du ça c'est du ProVia 100, voilà. Du Ilford HP5400. Donc j'en ai quelques-uns comme ça. Hop, des questions Potellino. Alors, Potellino, dis-moi tout. Ça fait tellement de temps que YouTube ne propose pas tes lives et que cette fois, j'avais mis un signal, mais c'est les brésiliennes et puis Genève, enchanté. Salut. Salut, c'est Potellino. Non, ça, c'est l'accent italien, ça ne marche pas. C'est brésilien, ok. Il pèse combien, ok euh, pas le droit à l'erreur, bah c'est là où, on, justement, euh, Mario, on commence à réfléchir un petit peu à la photo. C'est là euh, où, encore une fois, le côté un peu technique et devient secondaire, qu'il faut être prêt et aller chercher quelque chose. Et là, c'est tout l'art de la composition, en fait. Cadrage, composition, c'est comme ça qu'on apprend vraiment, 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 vraiment. Et là, on réfléchit parce qu'effectivement, huit photos, eh bien, <laughs> on, va, ouais, on va réfléchir, on va penser à sa mise au point on va, et forcément penser à son cadrage compo. Euh, en premier, en premier lieu, il y a du lourd, il y a du lourd, effectivement, il y a du lourd, les gars. Hop, donc voilà ce que ben, les quelques remarques que j'avais à faire. Hein, ce n'est pas un grand débat, sur, euh, bien sûr, sur euh, l'intelligence artificielle. C'était pour vous montrer un petit peu ben, les évolutions qu'il peut y avoir, puis les questions qu'on peut se poser. Encore une fois, c'est ce que par rapport à l'expérience que j'avais eue en me disant, bah ben là, je manquais de matos, n'avais pas forcément assez de qualité, euh, et, et puis dans un lieu ou contre jour, des conditions de photo un peu dégueu, ben, ben voilà. Et ça, on n'aurait pas pu le faire avant. Donc, euh, donc voilà. Bon bah ben écoutez. J'attends encore quelques secondes si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, si quelqu'un veut dire un, veut faire juste un coucou même pour tester le lien là, si, voir s'il fonctionne bien. Quelqu'un veut essayer juste pour dire au revoir, pour montrer sa petite bouille comme ça. En tout cas, ça fait combien de temps 1h10, bah c'est bien 1h10, il est 9h10, pile poil, 1h10 de live, ça c'est très bien. Hop. Et puis pour ceux, encore une fois, qui veulent aller voir ce que je fais. C'est François c'est photographe. C'est situé à béton, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est à béton. Euh, voilà, voilà. Donc, si vous voulez, pareil, aller voir les, les infos, si vous voulez participer euh, pour le stage, portrait, des choses comme ça, ou, euh, ou même pour le, <laughs> les voyages, pour la, la journée porte ouverte de dimanche, bah, vous me tenez informé quand même, parce que j'aimerais bien savoir à peu près euh, évaluer combien de personnes vont venir. Hein Donc, j'achète des cacahuètes pour tout le monde. Félicitations pour nos nouveaux studios. Merci beaucoup, Benjamin. Avec plaisir. Quand tu passes dans le coin, hein, j'ai vu que tu cherchais plutôt dans le sud Finistère, je crois. J'ai cru, j'ai cru voir ça, quelques photos. Et en tout cas, les tiennes sont, euh, franchement, c'est classe, hein, c'est top. Hein. Euh, Au-delà des oiseaux, hein, bien sûr. Euh. Et d'ailleurs, si tu veux venir par ici, juste à côté, un hein, voisin, il y a, il y a un créateur de guitare aussi. Je sais que tu aimais bien ça. Euh, hop. <coughs> Comment on s'appelle le logiciel IA pour les vidéos Alors, pour les vidéos, euh, ce n'est pas un logiciel IA pour les vidéos. On appelle le logiciel IA pour les vidéos. Euh, pour, la, pour la lumière, là, c'est des, des plugins qu'il y a sur DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, et il y a un plugin qui s'appelle Je ne sais plus comment, et qui te permet, comme ça, de, 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 refaire la lumière, de refaire la lumière. Mais euh, encore une fois, c'est euh, chaud. Quoi. Nicolas, salut Nicolas il était caché en secret, tu n'avais peut-être pas intervenu. Bon, en tout cas, je vous remercie. Euh, 21h13, c'est la bonne heure. Euh, moi, je vous dis à très bientôt. Euh, à une prochaine, à dimanche, pour ceux qui veulent passer dimanche. Et puis, on se retrouve, euh, ben, bien sûr, là, pour le prochain live. Allez, attention, je vais couper tout. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout. Ben, je vous dis encore une fois, à bientôt. Allez. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. ciao, 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 ciao. Un stream. Ok.